L'homme meurt et gît là. L'homme expire et où est-il? C'est dans Job chapitre 14, verset 10. Il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement. C'est dans Hébreu chapitre 9, verset 27. Jésus lui déclara, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est dans Jean chapitre 11, verset 25. La mort et puis après. Le titre de cette page est aussi celui d'un livre écrit il y a une quarantaine d'années par un prêtre catholique. C'est là une question majeure qui hante l'esprit humain. La mort de quelqu'un marque la fin de son activité, de ses projets, de ses relations. Mais est-ce une fin? C'est en tout cas un point de non-retour. Voilà pourquoi il ne faut pas éluder la question. Où trouver la réponse sinon auprès de Dieu? Lui qui est le concepteur de l'univers, celui qui a créé la vie. Dieu ne laisse pas l'homme dans le doute. Par sa parole, la Bible, il donne sur le sujet des réponses précises. Tout être humain a une âme immortelle et il est responsable devant son Créateur. Chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Romains chapitre 14, verset 12. Pour un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui a confessé ses péchés et accepté le pardon de Dieu, il n'y a pas de crainte à avoir. Il le sait, la punition que méritaient ses péchés a été subie par Jésus-Christ et aucune condamnation n'est à redouter de la part du Dieu juste. C'est dans Romains chapitre 8, verset 1. Il se confie dans la promesse de Jésus. « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Mais pour l'incroyant, la Bible est tout aussi claire. Qui désobéit, refuse de croire au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est dans Jean chapitre 3, verset 36. Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Amen, soyez réconciliés avec Dieu. Je prie pour que vous croyiez au Fils, pour pas que la demeure de Dieu soit sur vous. Vous avez une âme immortelle. Je prie pour que vous réalisiez que vous soyez, que vous n'êtes pas seulement un corps. Le corps retourne à la poussière. Mais on est plus qu'un corps, âme, corps, esprit. L'esprit retourne à Dieu. Ton âme va dans un endroit ou dans un autre. Oh là là. Posez-vous des questions. C'est trop important, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Soyez bénis.